Alors, l'existence du salon Synergie, c'est de bouche à oreille. C'est une connaissance qui m'a fait part hier des métiers de l'aéronautique qui allaient être présents justement sur site. Et du coup, comme je suis en recherche active d'alternance, ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas rencontrer les professionnels directement. J'ai connu le salon Synergie Aéro par le biais du journal Sud-Ouest, en fait. Pas plus tard qu'hier, j'ai écouté la radio en allant au travail. 8 FM, je leur fais un petit peu de pub au passage, et c'est par ce biais-là que j'ai pris connaissance de l'existence de ce salon. Eh bien, c'est des amis qui ne sont pas du tout du milieu du secteur aéronautique qui ont vu une annonce sur Internet et qui m'ont proposé, et ensuite aussi je l'ai entendu après, un peu plus tard, je l'ai entendu à la radio. Alors moi, comme poste, je recherche de l'alternance dans le domaine de la QHSE, dans le cadre de mon Master 1 que je vais intégrer en septembre 2022. Je suis tourné plus vers la conception, donc le bureau d'études un peu, surtout dans le secteur composite. Mais après, je peux toucher un peu à tout, l'aérospatial, donc pas de secteur en particulier, mais plus dans le bureau d'études. Un métier en lien avec l'aéronautique, ça c'est une certitude. Et après, j'aimerais bien être dans la partie organisationnelle ou management ou gestion de projet liée au monde de l'aéronautique. Alors moi, mon domaine de compétence, c'est la communication, le marketing, l'événementiel. Donc j'ai voulu justement, m'intéressant déjà à l'aéro, aller sur le salon pour faire des rencontres et trouver ma voie. J'ai souvent fait déjà des demandes d'alternance en ligne, hein, mais c'est toujours agréable de venir à leur rencontre et d'exposer un peu plus en profondeur nos envies. J'ai pu parcourir plusieurs stands, Airbus, Dassault, d'autres entreprises, même des associations d'aide au retour à l'emploi, donc c'est très intéressant. J'ai fait une dizaine de stands pour le moment, et avec des rencontres qui peuvent, j'espère, être fructueuses à l'avenir, l'avenir me le dira. Et ma foi, ben, on va attendre patiemment les retours, quoi. Oui, j'ai quelques touches intéressantes. Je ne vais pas citer les noms, mais oui, j'en ai quelques-unes. D'autres où j'aurais pensé avoir un peu plus de touches, mais au final, déjà des alternants qui sont passés par là. Mais oui, j'ai déjà quelques pistes pour septembre. Oui, j'ai pu faire des rencontres. J'en ai fait plusieurs depuis le début. J'ai eu différents groupes. J'ai eu quelques touches, on va dire. Donc j'ai pu déposer mon CV. J'attends des réponses. Je ne sais pas si je vais en avoir, mais normalement, j'espère en avoir.